Ouvrez, allez, ouvrez. Mis le cœur en flamme. Son excellence mourrait de honte si elle savait ce qu'on raconte. C'est bon de me désoupçonner. Quel drame, drame, drame. Judas, flamme, flamme, flamme. Séraphine, autant déguisement est parfait. Qui cela peut-il être? Merci d'accueillir votre mari aimant. C'est tout à fait ce que le public adore. Ma douce, je suis appelée pour une affaire d'État et dois vous laisser avec votre nouvelle soubrette. Quoique j'emmènerai volontiers la soubrette avec moi. Le vieil imbécile nous quitte. Tiens, j'aperçois la comtesse de Cherbourg. Elle nous invite à son hôtel, vous le saviez? Nous n'avions pas cette chance dans le commerce des déchets. Ferraille, pour être exact. Serafino, cessons cette comédie. À défaut de parler, tu peux m'embrasser, puisque mon mari est absent. N'avais-je pas exigé que la loge 5 restât inoccupée? Il est là, le fantôme de l'opéra. C'est lui. Vous avez un rôle muet, petit crapaud. Un crapaud, madame. C'est peut-être bien vous qui êtes le crapaud. Dans la bouche, pas sur le menton. Ferme la bouche. Oh, mi scusi tutti. Maestro da capo, per favore. Serafino, cessons cette comédie. À défaut de parler, tu peux m'embrasser, maman. S'il vous plaît, messieurs, on continue. Elle n'a plus de voix. En fait, ça n'est pas monté. S'il vous plaît, fermez. Sortez. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser. La représentation... Continue. Enfin, elle reprendra dans 10 minutes et le rôle de la comtesse sera interprété par Mademoiselle Dye. Merci. Allez, d'ici là, nous implorons toute votre indulgence. Merci encore, mesdames et messieurs. Et pour patienter, nous vous proposons le ballet du troisième acte de cet opéra. Quoi? Maestro, veuillez jouer le ballet, s'il vous plaît. Le ballet, oui, mais le ballet, maintenant, s'il vous plaît. Page 182. On y va. Merci. Mais tout ça c'est... Vous êtes viré, jeune homme.
Viens, c'est dangereux de rester ici.